Box Club. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans le Smile Box Club avec le blog du Zouk et Sono DJ Animation. Ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir deux jeunes artistes pleins de talent. Elles sont là, elles se présentent. Elles s'appellent Fleur, elles s'appellent Casey. Mesdemoiselles, bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut Fleur. Ça va ? Comment tu vas ? Très bien, merci. Ça va la forme ? T'es bien installée dans les studios ? Tout va bien. C'est la toute première fois pour toi dans le Smile Box Club ? Oui, c'est ça. T'inquiète pas, ça va bien se passer. J'en doute pas. Casey, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va très bien, il fait beau, donc quoi de mieux ? Je me sens très bien. T'es très très bien. Ouais. J'aime ça quand les artistes se sentent bien dans l'émission, c'est important. J'aime bien que vous soyez à l'aise, etc. C'est très très bon. C'est donc, essentiel. Mais pour vous deux, c'est la toute première fois dans le Smile Box Club. C'est ça. Donc soyez les bienvenus. Merci. Donc on va apprendre à vous découvrir à travers cette émission, qui est ici, qui est Fleur. Donc on va commencer par toi, qui est ici. Donc tu viens d'où, originaire d'où ? Alors je viens de notre petite île qui s'appelle la Guadeloupe. D'accord. Voilà, bon, après ça fait 6 ans que je suis installée en métropole. Et qui je suis ? Je suis Casey, une chanteuse de zouk, de dancehall, de reggae, un mix de tout. Voilà. T'es une artiste en fait. Une artiste. Voilà, c'est ça. Donc tu chantes un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Après, moi je chante depuis l'âge de 11 ans. D'accord. J'ai commencé d'abord avec le R&B, bon, sous la douche, hein, devant le miroir. Ah. Et une fois que mes parents ont eu leur mutation, donc j'avais 18 ans, donc on est parti en Guadeloupe. D'accord. Et c'est là que j'ai découvert justement la musique traditionnelle. Donc j'ai commencé avec la biguine, étant donné que dans la famille de ma mère, ce sont que des musiciens, donc ils ont pas mal de groupes, des saxophonistes et tout ça. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu par rapport à eux que j'ai pris la direction de la biguine. Et notamment, j'ai gagné le concours du défi lycéen en 2003 avec une biguine. D'accord. Ensuite, le concours de la plus belle biguine en 2005. Donc, j'ai été aussi en Guyane, que j'ai gagné aussi en Guyane. Donc, d'accord, ok. Donc, partout où tu passes, tu gagnes en fait. On essaye. C'est un peu ça. En tout cas, voilà, j'ai vraiment... Enfin, je suis un petit peu éclectique parce que c'est vrai que bon, j'ai commencé avec le R&B. Boum, je suis arrivée dans la biguine, donc c'est vrai que effectivement quand on me voyait une petite jeune fille de 18 ans qui chante de la biguine, c'est assez impressionnant. Ouais. Donc voilà, mais après je pense que c'était en moi, hein. Je dis souvent que je suis un petit peu comme Obélix, je suis tombée dedans depuis toute petite et puis c'est la vie qui a fait que j'ai trouvé mon chemin. Aujourd'hui je reviens avec du zouk, mais je dirais plutôt que c'est un zouk à la sauce Casey, parce que dans ma musique maintenant on retrouve un petit peu de biguine, de gros cas, parce que j'ai chanté notamment avec Akiyo, à qui je fais un petit coucou. Donc voilà, je suis très attachée à mes racines, à mon patrimoine. Donc voilà, c'est ce qui me représente, on va dire. D'accord, très très bien. Ça fait plaisir, mais on va découvrir tout ça, bien évidemment. Et donc toi, Fleur ? Du coup, j'ai pas un parcours aussi impressionnant. C'est normal, parce que tu débutes, tu débutes dans le zouk, parce que ton premier single, c'est un titre zouk. Mais c'est quoi ? T'es originaire d'où ? Alors moi, je suis française à 100%. Ok. D'origine. Ok. Donc voilà, je sors tout juste mon premier single. Ok. Et aujourd'hui, c'est ma première interview. Donc voilà, tout est là. Mais non, mais ça va bien se passer. En plus, première interview dans le Smile Box Club, c'est top. Merci. Et un début à tout. Hein. Ouais. Tu vois ? Merci de m'accueillir, c'est très gentil. Avec plaisir, on est là pour ça. Ça fait partie du blog du Zouk aussi. Hein. On est là pour ça, pour faire découvrir les jeunes talents. Et t'en fais partie, donc c'est parfait. Donc, Casey, juste avant de découvrir, enfin, avant de ton premier single qui s'appelle Voyager. Oui. Après, c'est pas mon premier single. Il faut dire qu'avant, je chantais sous mon vrai nom, donc Jessica Baden. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, oui. On va parler. Attends. Oui. Ça bien, hein, c'est important. Intéressant. C'est intéressant. Donc, tu as chanté sous ton vrai nom. Pourquoi tu as changé de... Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment expliquer ça ? Avant, je chantais justement, comme je vous l'ai dit, je chantais de la biguine, du roca, donc j'ai fait pas mal de choses. Hein. J'ai même fait la comédie musicale en hommage à Manuela Pioche, j'ai fait les hommages à Gilles Floreau, tout ça sous le nom de Jessica Baden. Et c'est vrai que j'ai toujours été soutenue par mon père. C'est lui qui m'a justement acheté mon premier tambour
à l'âge de mes 11 ans. Il m'a vraiment, c'était lui mon support, mon soutien. C'est lui qui m'a inscrit dans tous mes concours. C'est lui qui était là partout où j'allais. Et malheureusement, il y a maintenant 5 ans, je l'ai perdu. D'accord. Il est allé rejoindre Patrick Sotteloy et... Tous les grands de la musique. Voilà. Donc c'est vrai que j'étais très très attachée à lui et ça m'a fait quand même un choc, on va dire. Et justement, c'est au même moment où je suis revenue en métropole. D'accord. Donc j'avais besoin un petit peu de faire un petit break, de me reprendre, de me ressourcer. Et jusqu'au moment où j'ai croisé certaines personnes qui m'ont redonné envie de continuer ce combat hein, de la musique. Et j'avais envie de revenir, mais j'avais envie d'un renouveau. D'où le nom Casey. Casey, c'est simple, hein, c'est juste Jessica à l'envers. Ça fait Cassie J. J'ai retiré le J, il reste Cassie. J'ai dit, vas-y, on donne une petite signature anglaise, donc ça donne Casey. Ok. Hein. Et le Roland, bon, c'est juste pour s'amuser. Hein. Vraiment, d'accord. Le Roland, c'est juste d'accord. Pour s'amuser. Comme j'ai des amis qui m'ont dit, ah ouais, t'as un petit truc de Kelly Roland. C'est vrai que je voulais pas le dire, mais c'est pas faux. C'est vrai. C'est voilà. Vrai. Donc voilà, donc d'où le Casey. Donc je suis revenue avec cette nouvelle musique, hein, comme vous le constatez, voyager, il y en est. Et justement, j'avais envie de casser ce petit truc avec la tradition. Parce que c'est vrai que quand je chantais en Guadeloupe en tant que Jessica Baden, souvent, même dans les articles, c'était vraiment la petite fille de la Big In. C'est vrai d'accord. Qu'on m'avait collé un petit peu une étiquette qui ne me dérange pas parce que j'estime qu'aujourd'hui, si je suis celle que je suis, c'est grâce justement à tout ce parcours et le fait d'avoir chanté la Big In, c'est une de mes plus grandes forces. D'accord. De chanter le gros cas, c'est une de mes plus grandes forces parce que sans ça, je pense que je ne chanterai pas comme je chante aujourd'hui. Donc franchement, je ne regrette pas. Mais étant donné que je venais avec un nouvel esprit, avec une nouvelle musique, j'avais eu aussi le décès de mon père qui m'avait changé. Hein. Je suis devenue une nouvelle femme, il faut le dire. Hein. Oui, forcément, ça, l'expérience de la vie, ça change. Donc forcément, je suis devenue une nouvelle femme et j'avais envie de revenir toute fraîche et avec un nouveau départ. Donc tout simplement, je suis revenue en tant que Casey. Ici. Et voilà, et c'est vrai que bon, l'année dernière j'ai fait une tournée grâce à Voyager aux Antilles, et c'est vrai que les gens avaient un peu de mal. Ah, c'est Jessica Baden! Ah, pourquoi Casey? Ah non, t'aurais pas dû. Effectivement, ça peut. Les gens qui étaient habitués avec moi en tant que Jessica Baden, ça change un petit peu les habitudes. Ils ont un petit peu habitudes. De mal, ouais. Ils ont un petit peu de mal. Ouais, mais ça, c'est le changement. Mais après, voilà, c'est le changement. Mais après, Jessica Baden, elle est là. Hein. C'est toujours moi. Justement, Casey, c'est le renouveau. C'est Jessica Baden encore plus forte avec une nouvelle équipe. Avec, voilà. Mais ça se voit parce que, ouais, non, on voit que quand tu parles, on sent la fraîcheur, la pêche. On sent que. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fleur? C'est. La femme déterminée. Ouais. Mais en même temps, je suis une vieille maigresse, hein. On va mais pas se mentir. Hein. C'est important d'être déterminée. Tu vois, c'est un trait de caractère qui est important dans la musique. C'est donc ça. Fleur, il faut que tu sois aussi déterminée. Ouais, tu prends note. Tu prends note, mais c'est important, hein, parce que tu verras que dans ce milieu, c'est pas si simple que ça. Et il faut avoir un caractère assez... Trempé, oui. Oui, aussi. Il faut savoir imposer ses idées et vraiment aller jusqu'au bout de ses rêves. Et je pense que le plus compliqué, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes. Trouver vraiment l'équipe qui colle à la peau. Une fois qu'on a trouvé son équipe, on ne peut qu'aller plus loin. C'est vraiment parce qu'on n'y arrive pas seul. Non, ça c'est vrai. On a beau avoir tout le talent du monde, être la meilleure chanteuse du monde, être tout bien faire, mais si on est seul, on n'y arrivera pas. On a besoin de tout le monde, regarde, là, on est chez le blog du Zouk, donc voilà. Forcément, on a besoin de tout le monde pour pouvoir y arriver, et ça part de l'équipe. Et si l'équipe est solide et pousse l'artiste vers l'avant, il n'y a aucune raison qu'elle n'y arrive pas. D'accord, mais je pense que déjà, Fleur, t'es bien entourée déjà, je pense. J'ai une très bonne équipe, très bon producteur. Ouais, c'est vrai. Un très bon producteur. Je fais un gros big up à Loan parce que c'est vrai que voilà, il fait un très très gros travail. Donc on va découvrir ça tout à l'heure, bien évidemment. Hein, quand même, c'est important. Et donc ici, sur ta bio, on constate que tu as un parcours riche parce que tu as fait pas mal de scènes, tu as fait pas mal de concerts, etc. Donc t'es un artiste aguerri maintenant. C'est bon, ça y est, t'es. Moi, je suis dans un réel combat. Je pense que j'ai encore tellement de choses à montrer, tellement de choses à prouver aux gens. J'ai tellement d'amour à donner à mon public que pour moi, c'est que le début. On a connu Jessica Baden. Maintenant, je reviens en tant que Casey. Casey, elle commence avec Voyager. Et le voyage, il est tellement grand. J'ai tellement de choses à faire découvrir parce que j'ai tellement de choses en moi. Je, je,
voilà quoi, j'aime la vie et j'aime ce qui est autour de moi, j'aime ma famille, j'aime les gens et j'ai envie de leur donner du bonheur. Donc pour moi, ça ne s'arrête pas là, ouais. Ça, c'est que le début. Mais je sais que tu as donné du bonheur à beaucoup de personnes parce que tu as chanté avec de grands noms, quand même, monsieur Patrick Saint-Éloi, hein, quand même, David Eugène, Joël Ursule, etc. Alors, David Eugène, lui, c'est un petit peu aussi mon mentor du temps de Jessica Baden, parce que c'est lui, justement, quand j'ai gagné le concours du défi lycéen, il m'a soutenu du début jusqu'à la fin. Il a vraiment été derrière moi et jusqu'à présent, il ne se passe pas un jour sans qu'il m'appelle, sans qu'il me demande alors ton nouveau titre. J'ai vraiment eu la chance d'avoir des personnalités comme ça qui m'entourent. Aujourd'hui, je travaille avec une nouvelle équipe, dont mon producteur qui s'appelle DJ Kawes, qui est juste derrière. Oui, à qui je fais un gros big up aussi. Un gros big up à lui. Parce que je fais un gros travail. Hein. Un très gros travail. Il est dans l'ombre au niveau de la production, mais il fait du très beau travail. Oui, au platine, il n'est pas dans l'ombre au platine, ouais. Mais il fait un gros travail. Voilà, donc lui aussi, c'est pareil, hein, c'est mon soutien. Sans lui, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire. C'est vraiment un travail d'équipe. Et comme je disais, j'ai eu la chance justement de côtoyer David Eugène, Arthur Apatou aussi, qui était le producteur de la compagnie Créole. Avec lui, j'ai eu le temps de faire des albums en hommage à Manuela Pioche, Volel. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de choses. Après, le plus grand, c'est effectivement Patrick Saint-Éloi, qui lui m'avait entendu à la radio lors du défi lycéen. Ouais. Et il a dit tout simplement qu'il me veut pour son concert, un concert qu'il avait fait à la salle Henri Salvador, donc qui était vraiment blindé, il m'avait fait monter. Donc c'est vraiment un beau souvenir. Et il m'a rappelé encore pour un des derniers concerts qu'on lui avait organisé sur la place du Moule. Il y avait plus de 45 000 personnes. Donc il m'a fait venir, il y avait Jeff Joseph, c'était vraiment... Là, tu étais avec vraiment, la crème de la crème. 40 000 personnes, tu devais avoir le track. Ouais. Un track défini. Ouais. Après, une fois qu'on monte sur scène, on explose, hein, on extériorise tout et puis on transmet de l'amour. Je pense que c'est ça, être artiste. Hein. Je pense que tu es d'accord avec moi. De toute manière, un artiste qui n'a pas le stress avant de monter sur scène, c'est qu'il y a un problème. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. S'il n'y a rien qui se passe avant de monter sur scène, c'est que voilà. Mais généralement, les artistes, c'est ce qu'ils me disent. Hein. En général, il y a toujours ce petit stress. Après, c'est quelque chose qui leur donne du peps, en fait, une fois qu'ils sont sur scène. Mais c'est vrai que c'est bénéfique, je pense. C'est du bon stress. C'est du bon stress. C'est du bon stress, c'est important. Après, une fois qu'on est sur scène, on délivre tout et puis après, c'est que du bonheur. D'accord. Donc, on voit aussi que tu composes aussi, c'est ça? Tu composes, tu écris tes textes. Enfin, je compose, je participe à la composition, on va dire, mais moi je suis plutôt auteur, j'écris tous mes textes, vraiment tous mes textes. Donc voilà. Après, au niveau de la composition, notamment pour Voyager et Liané, c'est Thierry Delaney, grand Thierry Delaney. Monsieur Thierry Delaney, qui a pris le temps. Il a vraiment pris le temps avec moi et avec nous de composer ces titres. Et puis, c'est un moment magique. Aujourd'hui, c'est un ami. D'accord. Donc voilà, hein, je le remercie encore. Et puis, il est vraiment derrière moi et on fait un réel travail. Et c'est que le début aussi avec lui. Ok, c'est tout le mal qu'on te souhaite parce que franchement, ça commence très, très bien. Parce que justement, il y a le titre Voyager qui cartonne vraiment, qui marche très, très bien. Pourquoi Voyager? Comment tu as écrit ce texte? L'idée était venue de quoi? C'est quoi? Mais alors, Voyager, c'est vraiment c'est mon expérience. Hein. Je pense que comme pas mal d'Antillais, j'ai dû quitter mon île chérie, hein, la Guadeloupe, pour raisons professionnelles. Hein, parce que souvent, c'est ça. Ça peut être aussi personnel. Mais pour ma part, c'était pour des raisons professionnelles. Et c'est vrai que ma Guadeloupe me manque. Ma Guadeloupe me manque, surtout dans les périodes décembre, les périodes de carnaval, février. C'est des moments où, on a juste envie d'être au soleil, juste envie d'être près de sa famille. Moi, toute ma famille est là-bas, donc forcément, j'ai des moments de nostalgie. Okay. Et c'est de là où est venu Voyager, en fait. J'avais envie de, justement, le temps de ce petit morceau, de faire toutes les personnes qui sont dans ma situation vivre ce petit moment où on se retrouve en Guadeloupe, où on laisse tout ce quotidien, métro, boulot, dodo, c'est un peu ça en fait ici en France. Hein. Quand on prend le métro, on prend le train, les gens ils ne te calculent pas. Ouais. C'est une réalité. Tout le monde passe son chemin. Les gens n'ont pas le temps. Même pour dire bonjour, les gens n'ont pas le temps. Tandis qu'en Guadeloupe, peut-être qu'on est un petit peu. En Guadeloupe, en Martinique, peut-être qu'on est un petit peu plus sauvage. On est un petit peu plus sauvage, mais par contre, il y a du soleil, les gens.
Les gens, voilà, les gens n'ont pas peur de dire bonjour. C'est autre chose, quoi. On est au soleil et puis voilà. J'avais envie juste le temps d'un instant de faire tout le monde voyager avec moi et de laisser le train-train quotidien de côté. D'accord. Tout simplement. Ok. Et donc, Fleur, toi, tu as déjà voyagé, tu es déjà partie aux Antilles, par exemple, non t'as, pas encore? Non. Bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Hein, parce que ouais, mais ça viendra. Ça viendra. Tu nous fais encore des titres comme ça, ça viendra. Tu vas voyager aussi, après, tu vas aller pour le carnaval, tout ça. Ça. C'est important. Je pense qu'elle va plus revenir en fait. Si tu y vas, je pense que tu vas plus revenir. Ouais, mais ah oui, mais non, faut pas. Ouais, faut revenir. Faudrait revenir. Mais écoute, on va faire une petite pause et on va s'écouter justement voyager. Hein on est okay. Parti. Let's très go. Bien. Ni en moment, qu'a senti ma mal. Et ni en été qu'a manqué de mal. Toujours mis en moins qu'à sembler. Ni en moins qu'à sembler. Mais ça peut se rendre moins de paix dans le chimère. C'est clair et j'attends. Envie en moins en main. Voyager, très très beau clip. Hein. Merci. Très très beau clip. Plus de 300 000 vues déjà. C'est ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Mais vous avez tourné où ce clip? À Nice. Pardon? À Nice, oui. On n'était pas aux Antilles, non. Non, mais t'es sérieuse quand tu dis ça ou c'est. Non, mais c'est fort. Ouais. Parce que franchement, moi j'avais pensé que c'était aux Antilles. C'est. Mais c'est magnifique. C'est on a bluffé tout le monde alors. D'accord. Ben oui, hein, l'important c'était de faire voyager les gens. On ne peut pas faire voyager les gens au bord du métro quand même. Non, c'est pas faux, mais c'est vrai que c'est. Ah non, c'est. Franchement. Voilà. D'accord. Voilà, un grand big up à Jay Island qui avait tourné le clip. Justement. D'accord. Donc voilà, c'est eux qui ont réalisé le clip Voyager. Et puis apparemment, le résultat plaît, donc tant mieux. D'accord, bah c'est, bah oui, c'est un très beau clip. Donc, non, franchement, c'est. Là, je suis bluffé. je suis vraiment bluffé. Donc, maintenant, Fleur, on va parler un petit peu de toi maintenant. Donc, c'est ton prénom, Fleur? Oui, mon prénom. C'est joli. Très beau prénom. C'est joli. Ça donne des idées. Moi, je pensais que c'était un pseudo. Non, pas du tout. D'accord. Je vais faire comme nom d'artiste. D'accord. Ouais, non, c'est original. Donc, toi, tu es toute jeune, tu débutes dans le milieu du zouk. C'est ça. C'est ton tout premier titre. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Pourquoi le... Alors, moi, je chante depuis toujours, sauf que c'était très personnel, je ne l'ai jamais dit à personne. D'accord. Sauf à mes proches.
chantais sous ta douche ou Oui, bah, comme tout le monde, comme je pense. Monde, hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, il y a quelques années, j'avais eu la chance d'enregistrer une reprise chez un copain. D'accord. Et je l'avais envoyée à ma famille, à mes sœurs et mes amis. Et la meilleure amie, Lohan, c'est le meilleur ami de ma sœur en fait. D'accord. Et il est venu à lui dire qu'il recherchait une nouvelle artiste à produire. Et ma sœur, derrière mon dos, elle lui a fait écouter ma reprise. Et du coup, du jour au lendemain, il m'a contactée et il m'a demandé si j'étais, intéressée ouais, pour créer un single et chanter. Et voilà. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Tout ça, c'est grâce à ma sœur. Bah merci, ta sœur. Merci, Sista. Hein. Bah ouais. C'est ça, ouais. Bah c'est cool. Mm-mm. Et quelles sont tes influences? T'écoutes quoi? C'est comme style musical, c'est... Ouais, alors moi j'écoute de tout. D'accord. Je suis pas fermée qu'au zouk, j'adore D'accord. ça. Mais j'écoute vraiment de tout. De tout, de tout, de tout. Ok. Et est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas, un artiste de zouk que t'écoutes ou que t'aimes ouais. bien ou tu... Ouais, bah j'écoute beaucoup de Kim, de Marvin. D'accord. À l'ancienne, Jimmy Cole. Voilà quoi. D'accord. Et est-ce que tu zooks? Aïe aïe aïe. La question. Le regard qui dit la mais démo. La démo. Ah, la attention, démo. Attention. Bah peut-être que tu sauras un jour. Peut-être que tu verras un jour. On sait pas. Non mais c'est important de savoir. Tu sais que dans l'émission t'as droit à un seul joker. Ah, d'accord. Donc si tu l'utilises maintenant, après, enfin je dis ça c'est pour toi après. Non, oui, je zouk. Ah, c'est ouais. bizarre, hein, là ça arrive. La réponse est arrivée comme ça. Et toi qui si tu zouk? Ben évidemment, je zouk depuis ma naissance. Non mais parce que, le truc c'est que les artistes ils chantent etc, oui mais on les voit jamais danser, presque, donc c'est important de savoir. Donc si Fleur elle zouk, c'est important. Elle chante et elle danse, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Donc ton premier titre zouk, très efficace. Ouais. Pourquoi tu... Enfin, Loan il t'a proposé du zouk, mais t'aurais pu chanter autre chose ou tu... Ouais, à vrai dire, on n'en a pas tellement discuté, on est direct parti sur du zouk. D'accord. Moi ça me plaisait, lui ça aussi. Ça te plaît, ouais. Ouais. D'accord. Donc allons-y. Et comment ça s'est passé cet enregistrement, cette collaboration? T'écris un petit peu ou ouais. Ouais. On a écrit ensemble, tous les deux, pendant de longues heures. Et voilà, c'est lui qui a composé la chanson. Ouais, et t'as un petit peu écrit? Ah oui, oui. Ouais, t'as tout écrit ou non? Non, ouais. Tous les deux. Tous les deux, d'accord. Et ça parle de quoi le titre de la chanson déjà, c'est... Si je t'ai pas validé. Déjà, au moins, ça, c'est clair. Voilà. Elle annonce la couleur, déjà. Ça parle de quoi? Eh bien, écoute, je suis en couple avec un jeune homme, mais je n'arrive pas à oublier mon ex. En fait, c'est ça, l'histoire. Toujours les mêmes choses avec les filles. Non, je plaisante. Et voilà, et du coup, bah, voilà, je ne l'ai pas validé, quoi. J'arrive pas à oublier mon ex. Aïe. L'histoire, c'est ça. Et est-ce que c'est autobiographique? Joker. Comment elle a bien placé? Non, franchement, pas besoin de Joker. Non, c'est pas du tout autobiographique. Tu m'aurais demandé ça il y a 5 ans, j'aurais pu te dire oui. Aujourd'hui, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, pas du tout. Est-ce que t'es une femme amoureuse, Fleur? Non. Non? Kessy, est-ce que t'es une femme amoureuse? Oui. D'accord. Ça viendra, Fleur. Merci. Ça viendra. Donc le titre appelle Je t'ai pas validé. Et donc t'as écrit, t'as composé le clip. Vous étiez forcément c'est ton tout premier clip. Ouais. J'ai fait appel à un garçon de chez moi qui est réalisateur du coup, qui a fait pas mal de projets et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Donc je voulais être entourée par cette équipe là. D'accord. Et du coup le clip est bien. Bah écoute, on va faire on va regarder ça. Ouais. On va se faire une petite pause. On est parti, let's go. Pourquoi recherches-tu dans mon regard toutes ces choses qui n'existent plus? Tu es sûrement venu un peu trop tard, car j'ai tout donné et tout perdu. Je ne laisserai plus place au hasard à toutes les fois où le moindre signe de sa part et tous ces instants.
Et si tu veux te battre, tu ne te battras que pour le pire. Comprends mes absences quand tu me parles d'avenir. Ce que je te consacre, c'est tout, sauf une chance de devenir l'homme qui sent sa présence. Très beau clip, Fleur. Merci. Donc la réalisation, c'est Black à Noir. Très très beau, ouais. C'est très très bien. Et quels sont les retours que tu as par rapport à ce titre-là ? Bah écoute, il y a plein de retours positifs. Ouais. Moi, je ne m'attendais pas à autant de vues sur, bah, sur YouTube. Du coup, je pensais faire comme les gens de chez moi, 10 000 vues, grand max. Ouais. Aujourd'hui, on est à plus de 200 000 vues. Donc, mais c'est énorme, mais pour moi c'est pas réel en fait. Même d'être là aujourd'hui, c'est pas réel, tu vois. Ouais, tu c'est un rêve de gosse et c'est fou. Donc tu peux dire merci à ta sœur. Merci, merci. Merci à ta sœur, merci à Loane aussi. Ouais, aussi, ouais. Et donc maintenant que t'as des retours positifs, alors ça donne envie de continuer sous... Bah hein, carrément. Ouais. Ah ouais, 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 vraiment. Là t'es... est-ce que t'as déjà... t'es en train de préparer quelque chose, non tu... Joker. Ah, et comment elle a bien placé. Alors, parfait, ça a trouvé le principe. Ouais, c'est bon. Elle sait comment ça marche. Voilà. D'accord. Bah, l'émission, elle est encore longue. Enfin, je dis ça, hein. Parce que c'est important. Mais c'est bien si tu as déjà des bons retours, ouais. Les gens ils suivent, etc. Donc, ouais. Ça y est. Mm-mm. Maintenant, tu es une artiste. Si tu le dis, moi je prends. Bah oui. Je pense qu'elle était déjà une artiste et aujourd'hui, le monde voit. Qu'elle est une artiste. Merci, donc, c'est très gentil. L'artiste Fleur. On a été aussi aidé par VR6. Donc, il nous a aidé beaucoup sur le son. À qui je fais un gros big up aussi. Il fait un très, très gros travail. Mais ouais. En fait, t'es une très belle équipe en vérité. Ouais, non, ouais. D'accord. Ouais, vraiment. Ok. Donc, je pense qu'on va entendre parler de toi encore et encore. On verra bien. C'est tout le mal que je te souhaite en tout cas. Et toi qui es ici, alors. Toi, bien évidemment, quels ont été les retours par rapport à déjà au titre Voyager déjà, quels ont été les retours? Ben pour Voyager, le public l'a très très bien accueilli, surtout le public guadeloupéen, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait une mini tournée aux Antilles et c'est vrai que les gens étaient très contents. Limite, j'avais pas besoin de chanter, les gens chantaient, donc vraiment très très bons retours. Ouais. Vraiment, j'ai vraiment pas à me plaindre et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je reviens avec Lianné parce que voilà, ça me donne encore plus envie de tout déchirer. Ouais, c'est vrai que donc maintenant aujourd'hui ton nouvel single s'appelle Lianné. Lianné, c'est ça. Et ce qu'on apprécie effectivement, c'est que grâce à toi et d'autres, on peut dire que ça s'est un pied de nez à tous ceux qui pensent ou disent que le zouk est mort. Et voilà. Et grâce à vous, mesdemoiselles, ce soir, on peut fermer la bouche de certains qui disent des sottises. Hein ? C'est ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de polémiques autour de ça, justement, qui disaient aussi qu'ils veulent justement que le zouk revienne aussi en créole. J'ai entendu aussi pas mal de choses. Mais tu as cette ça. Particularité de chanter en créole et tu le fais très bien. Merci. Après, le français, c'est très beau aussi. Hein. Oui, mais bon, voilà, moi, après, je chante créole parce que j'estime que quand je chante, il faut que je me livre. Je me livre à mon public et dans ma vie quotidienne, je parle créole. La langue créole est belle, donc pourquoi ne pas l'exploiter ? Donc moi, quand j'écris, ben, ce qui me vient, si c'est en créole, ben, je le chanterai en créole, tout simplement. D'accord. Il n'y a pas de faux semblant, je chante comme je suis dans ma vie. D'accord.
Et donc, le nouveau single Lyonnais, ça parle de quoi? Bah déjà, Lyonnais, ça veut dire quoi pour les gens qui ne comprennent pas? C'est ça, pas bah, j'ai justement envie de vous poser la question. Pour vous, ça veut dire quoi, Lyonnais? Lyonnais, tu comprends un petit peu le créole? Pas du tout. Pas du tout. Ah, alors, ce serait peut-être pour toi. Pour moi, la question, Lyonnais, c'est les liens, c'est s'attacher. C'est ça. Déjà, Lyonnais, en français, c'est lié. Donc voilà, Lyonnais, c'est. Ça représente, comme tu l'as dit, hein, le lien, être ensemble, marcher ensemble. Après, moi, mon histoire, c'est une histoire d'amour. Donc, deux personnes qui sont ensemble, qui sont liées pour pouvoir avancer. Je pense que c'est la base d'un couple. Hein. Si un couple n'avance pas ensemble, ils n'y vont nulle part. Ah, il faut, voilà, la base des choses dans un couple, c'est la communication pour moi. Donc, okay. C'est un lien. Si on n'a pas de lien, de choses en commun pour avancer, on ne peut aller nulle part. Avant de commencer une relation, il faut déjà que les deux soient d'accord sur ce point-là. C'est qu'il faut avancer ensemble, donc être liés. Donc pour moi, voilà. Déjà, en amour, c'est déjà la base. Et après, moi, effectivement, je parle d'une histoire d'amour, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que j'estime justement, avec la conjoncture actuelle, je pense qu'on a besoin de ça, d'être solidaires, de marcher ensemble. Pour tout, on a besoin d'être liés pour avancer, pour avoir des droits, pour faire valoir nos avis. Peu importe dans la vie, on a besoin d'être liés, d'être soudés pour pouvoir avancer. D'accord. Donc c'est vraiment, ça ne s'arrête pas qu'à l'amour, ça s'arrête aussi, c'est pour tout le quotidien, pour tout ce qu'on fait. Je pense qu'on a besoin de ça et il nous manque ce petit côté-là, surtout nous Antillais. C'est pas pour faire les clichés, mais c'est vrai que nous, Antillais, il nous manque ce côté solidarité, marcher ensemble, donner la force à notre peuple déjà. Et c'est vraiment un message pour tout le monde. C'est pas que ça s'arrête pas qu'à l'amour. Ben, je pense que c'est très bien résumé. Lyonnais, je pense que là, t'es d'accord avec moi, Fernand? Ah ouais. Je pense qu'elle a fait ça bien. Donc, mais on sent que quand tu... Très convaincante. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Votez pour moi. Si on devait voter, je pense que là, c'est pas... Oui. Mais c'est vrai que c'est un très, très beau titre. Il marche bien. Aussi. Il marche ça commence, bien. Il vient juste de sortir, ça marche bien. Tu chantes en créole sur les instruments, sur l'instru. Oui. On ressent le côté traditionnel, mm-hmm. il y a ce côté qui te tient à cœur apparemment. Oui. Dans tous mes morceaux, il y a le cas. Et justement, pour voyager, pour Lyonnais, c'est mon producteur même, hein, DJ K-West, encore, qui a joué le cas sur ce morceau. Parce qu'il est aussi, comme j'ai dit, hein, moi, mon équipe, c'est ma force. On est tous dans le même, comme on dit aujourd'hui, on est tous dans le même délire. Dans la même direction. D'accord. On est tous des gens du peuple. J'ai DJ K-West qui joue du car, qui joue du tambour, qui joue dans les roses. Moi-même, je joue du tambour, je chante du gros car. J'ai chanté aussi avec Kozy Ika, donc je suis vraiment dans la culture à fond. J'ai Sonia aussi qui, elle, écrit des romans, des récits antillais. Donc voilà, j'ai Mathieu Plantier aussi qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est... tout ce qui est vêtements, tout ce qui est accessoires, voilà. C'est un très grand danseur de gros cas. Thierry Delaney qui est très attaché à son patrimoine, à sa culture, qui lui aussi revendique justement ce côté traditionnel. Okay. Donc voilà, je suis vraiment, en gros, je suis entourée de personnes qui sont dans la même direction que moi et on pense la même chose et on aime notre île. Donc voilà, on fait tout pour la mettre en valeur. Donc, c'est vraiment ma base. C'est important, mais écoute, on va regarder ça. Ok, ben on oublie, on est. C'est moi, passez-moi, caressez-moi, en
ça vous qu'à faire ça vient descendre puis pas que ça vous envie de moi t'as c'est en moi va faire manger un ça vous fait mettre avant de moi Ici, magnifique clip, toujours aussi magnifique, les images très travaillées, très soignées, décor splendide, les tenues, mais c'est quoi ? C'est... On va, voilà, une jeune artiste, et voilà, voilà ce que ça donne. On peut être jeune artiste et avoir de beaux clips. Bien sûr, il suffit d'être organisé, être en cohésion avec son équipe, et puis ça donne le résultat, hein, le résultat ouais. qu'on a pour y en est. Et après, ça ne s'arrête pas qu'un clip parce que c'est vrai que je me suis énormément amusée. C'était vraiment parce que moi, je suis un petit peu comédienne. Hein, ouais. J'ai fait aussi 2 ans de théâtre, donc j'adore D'accord. ça. Jouer la comédie, j'adore. Donc, entre parenthèses, si vous avez mon snap, vous allez bien rigoler. Donc voilà. Et puis pour ce clip-là, je me suis vraiment bien mariée. On était vraiment tous en symbiose. On était vraiment tous dans un esprit de détente. Et c'est ce qui est bien, quoi. C'est ça, c'est les bons côtés de la musique. Donc voilà, hein. On s'amuse, on prend notre pied. Et puis après, le résultat, il est plus que satisfaisant. Donc, non, c'est vrai que c'est un très beau clip. Déjà plus de 10 000 vues en même pas deux semaines. C'est ça. Donc c'est un bon démarrage, c'est déjà pas mal du tout. Ouais, on démarre bien. Donc Fleur, aussi toi, ton clip, on l'a découvert, ce qui marche bien. T'es sur les différentes chaînes, tout ça, belle image aussi, bien travaillé les clips. C'est important pour toi d'avoir. Oui, oui. Parce que c'est la première image qu'on perçoit de toi en tant qu'artiste. Donc maintenant, tu dois donner du. De belles images, du beau. Ouais, il fallait du beau travail. C'est important ouais, pour oui, toi. Oui, c'est clair. Parce que c'est, ouais, quand tu débutes, ouais, t'es obligé de bah oui. mettre la première pierre à l'édifice pour qu'elle soit solide. Oui, oui, oui. Donc c'est vrai, c'est très important. Et, mais ton clip, tu l'as tourné où ?
pas loin de chez moi, dans le 91. D'accord. Donc voilà, une belle maison. Ouais. Ça s'est fait en une journée. Une journée. Mm-mm. Toi aussi, t'as cet esprit de comédienne un petit peu, ou t'avais un petit peu le trac, apparemment. c'est franchement, ça s'est super bien passé. Je pensais pas que j'allais réussir comme ça aussi vite. Ouais. Nickel. Nickel, ça s'est passé. D'accord. Ouais. Ok. Et au niveau de tes influences musicaux, tu nous as dit que tu écoutais un petit peu de tout. Mais est-ce qu'il y a peut-être un style ou un truc que tu aimes un petit peu plus que les autres, peut-être, je sais pas, peut-être du R&B, le zouk, le compas, je sais pas, le dancehall ou... Comme je te dis, j'aime tout, j'écoute tout, que ça soit du rap US, du rap français, du zouk, du R&B, j'écoute vraiment de tout. Donc je peux pas te dire un style défini en fait. Donc je chante de tout et j'aime tout. Voilà. Ça c'est bon ça. On a hâte de savoir ce qui va se passer après. Mm-mm. Parce que c'est très intéressant. Surprise. Ça. Surprise. Mm-mm. Mais en parlant de surprise, en parlant de ouais, surprise, de cadeau, moi je dirais même plus. Vous allez me faire un petit acapella, mesdemoiselles. Ouais. D'accord. Qui veut commencer? Non, allez. Je sais pas, mais je sens, moi, je sais pas. Bah écoute. Tirage au sort comme. Ah tiens, par hasard, c'est toi. Ouais, voilà. C'est voilà. Voilà. Souvent, je passe la première. C'est souvent ça. Mais écoute, tu nous fais ce que tu veux. Qu'est-ce que je vous fais? On va commencer par voyager. Ok, on est parti. Alors, on claque des doigts. Envie voyager, ouvert l'esprit en moi, sorti côté si t'allais plus loin. Envie voyager, voir l'autre visage, changer paysage, quitter système là, s'appliquer bagage. Envie voyager, ouvert l'esprit en moi, sorti côté si t'allais plus loin. Envie voyager, voir l'autre visage, changer paysage, quitter système là. Hey, antique à la Rio. Rio de Janeiro, mets ton costume dans ces carnavals à you. Ce qui est en Australie, vrai kangourou, vrai koala, on y tourne un kédia du Tasmanie. Ce qui est au Sénégal, parler Wolof, cuisiner et manger à Ital. Ce qui est dans d'autres pays, voyager, c'est ça qui a manqué pour vie en moins changer. Où? Yi! Là! Oh! Là! Et c'est comme sur le CD. Mais ouais. Ouais, c'est pareil. Merci. Non, merci. Tu chantes très bien. T'as une très belle voix. Ouais, vraiment. Tu dois continuer à chanter. Mm-hmm. C'est important. C'est important. Flair. Moi. Oui. Excuse. Voilà. Tu. En même temps, j'aime pas. Non, ça ira. C'est très gentil. J'ai qu'un titre, donc ça va être vite vu. Ok, mais avec plaisir. Tu peux chanter ce que tu veux, comme tu veux. Avec plaisir. Pourquoi recherches-tu dans mon regard toutes ces choses qui n'existent plus? Tu es sûrement venu un peu trop tard, car j'ai tout donné et tout perdu. Je ne laisserai plus place au hasard à toutes les fois où j'ai attendu le moindre signe de sa part et tous ces instants révolus. Et je n'ai jamais douté de toi, de tout. Je n'ai plus vraiment confiance en moi. Je n'ai plus envie de souffrir. Et je le vois dans ton ombre quand tu veux suivre mes pas. C'est pour ça que je sombre, que je n'ai plus envie de toi. Et je ne compte plus le nombre de fois où à travers toi je le vois et retombe amoureuse dans ses bras. Ouh là là. Bravo. Alors c'est ton... tu vois, comme sur le CD. Ouais. Avec le stress en plus. Avec le stress. Ouais. Non mais bien, c'est bien. Merci. Mais il faut continuer comme ça. Donc il faut que tu nous fasses... d'autres titres. La suite. Ouais, parce que je rappelle que les singles sont sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui, c'est ça. Légal. Donc il faut avoir absolument ces titres-là parce qu'ils sont très beaux. Très, très. Et bien évidemment, il y a les clips aussi, donc il faut vraiment aller regarder ça. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup.
Et donc, Casey, toi, on te connaît déjà, hein, tu as déjà fait plusieurs scènes, etc. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de défendre ton titre en prestation, showcase ou Lyonnais ? Oui. Alors, Lyonnais, ça commence doucement. C'est vrai que j'ai fait un petit showcase à l'Otis Club. Okay. C'était le 13 avril, d'accord, un jeudi, que ça s'est très très bien passé avec le guitariste Lyon. Ouais. Donc voilà, il m'a très très bien accompagné, les gens étaient présents et ont apprécié ce petit moment. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de chanter Lyonnais. J'ai aussi interprété Lyonnais à l'Empire Club dernièrement, okay, aussi, c'était le 16, dimanche 16, ouais, avril. Donc voilà, ça s'est très bien passé aussi, donc voilà. D'accord. On commence doucement. Parmi toutes les scènes que tu as faites, tu en as fait un paquet quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, une scène qui t'a marqué, une anecdote, quelque chose que... Après, bon, forcément, la scène avec Patrick Saint-Éloi, bon, ouais, voilà, j'étais toute jeune, il m'a donné ma chance, il m'a très très bien accueillie et c'était vraiment un moment magique pour moi. Du moment où j'ai reçu son appel à la prestation, c'était vraiment magique. Donc oui, ça c'est un des moments qui restera gravé à jamais. Après, plus récente, j'ai... à La Cigale, où j'ai fait le live d'or du Zouk. Donc, je ne sais pas si vous avez été, c'était tous les anciens, oui, oui, Zoukers, oui, qui étaient, oui, là. Et j'ai eu la chance, hein, grâce à Thierry Delaner, de participer à ce concert où je représentais Edith Lefel. Ouh là là. Donc voilà, et ouais, c'était un très très bon moment parce que j'étais parmi plein d'artistes que j'ai vus, que j'ai écoutés toute petite, même des fois j'étais même pas née, hein, quand ils, ouais, ont commencé à chanter. Donc voilà, quand on entend les morceaux comme souvent, oui, de temps en temps, tous ces morceaux-là, profitez pendant là. Tous ces moments, enfin c'est magique quoi, on se retrouve là et je me dis, il y avait ma sœur qui est venue, ma sœur qui a 10 ans plus que moi, qui est venue me voir ce jour-là et elle, ça l'a fait rêver quoi. Parce qu'elle, d'accord, me dit, ça c'est des morceaux où elle prenait son pied en soirée. Elle a eu le temps de danser, elle a eu le temps de faire un carreau avec ces morceaux-là et maintenant, et maintenant elle voit sa sœur ben, chanter avec ces gens-là. Donc ouais, même moi, c'est toutes ces expériences qui font qu'aujourd'hui, ben voilà quoi, j'ai... Mon sac, il est bien rempli, voilà quoi. J'ai eu la chance de chanter avec des grands de la musique et je pense que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui parce qu'on est un petit peu trop dans la facilité, dans voilà. Maintenant aujourd'hui, on fait plus rien. Aujourd'hui, tout est à notre portée en fait. Et moi, j'ai envie de revenir un petit peu à la méthode ancienne où on chantait des musiques profondes, où on faisait beaucoup de live parce que moi, j'adore le live. Moi, j'adore le live, j'adore le show. Et justement, à La Cigale, ce jour-là, j'ai pu justement un petit peu montrer mon côté showgirl, ouais, où j'avais fait même une petite chorégraphie avec justement Mathieu Plantier, un danseur, et Alex aussi. Thank you.
show, c'était vraiment magique, majestueux. C'est un moment aussi qui restera gravé, quoi. Parce que le live, moi, c'est le live, c'est la vie. Non, mais c'est vrai que le live, c'est. Le live, c'est la vie, parce que tout le monde est présent sur scène. T'as les musiciens qui vivent la chose. Nous, on est là, on vit la chose. Il y a les techniciens derrière, il y a les caméramans. Il y a tout un travail. C'est un travail énorme. Et le public, ben, il y a pas mieux comme résultat que le live. Vous vivez tout à l'instant T. Donc franchement, il y a. C'est pour ça que ça porte bien son nom. Ben oui, franchement, vive le live. Oui. Si les gens ne pouvaient que faire du live, ben, je pense qu'on serait tous heureux. Je pense qu'il y en aurait beaucoup aussi qui arrêteraient, mais. Ouais, c'est vrai. Petite punchline en passant. Petite punchline en passant. Beaucoup arrêteraient, bon, voilà quoi. Non, mais c'est vrai. Blague à part, c'est des choses que je défends, le live. Vivre ce qu'on fait à 2000% et donner au public du vrai, quoi. D'accord. Voilà. C'est vraiment avec mon équipe, on travaille vraiment sur ça, sur l'authenticité. Et après, c'est vrai que je vous parle beaucoup de tradition, de culture, mais ce qu'on essaye de faire aussi, parce qu'il faut quand même vivre avec son temps. Aujourd'hui, les choses sont modernes, la musique, elle évolue. Donc moi aussi, j'essaye aussi de faire ce mélange de traditionnel, de culture avec ce qui arrive en ce moment. Avec tout ce qui est à la mode en ce moment, parce que voilà, aujourd'hui, moi j'ai envie que les jeunes de 15 ans aussi puissent m'écouter. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment faire pas du zouk, mais du KC. Donc dans du KC, il y a de tout pour tout le monde, pour toutes les générations. D'accord, ok. Et toi, Fleur, donc toi, tu es une jeune artiste, donc tu débutes encore. Donc est-ce que tu as eu l'occasion de présenter ton titre sur scène? Non, pas du tout. Pas encore. Non. Bon, ça donne envie. Ça donne envie. En tout cas, ouais. Quand t'entends ça, tu te dis, quand mon tour. C'est bientôt mon tour. Non, mais ça viendra, t'inquiète pas. Je te rassure, ça viendra. Et est-ce que vous êtes très réseaux sociaux, les filles? Oui. Oui? Ouais, il faut. Oui. Oui. Moi, j'irais. À la base, je pas trop. Mais c'est vrai qu'avec mon équipe, justement, avec DJ K-West, avec Xavier qui s'occupe aussi de mon booking, les réseaux sociaux, c'est la base. Hein. Aujourd'hui, ouais, il faut, c'est important. Les CD, maintenant, ça ne se vend plus. Donc, on est obligé de se servir des réseaux sociaux pour faire connaître sa musique, se faire connaître. Hein, ok. Forcément. Est-ce que vous pouvez donner chacune vos différents réseaux sociaux? Du coup, Instagram, Facebook et Snapchat, c'est Fleur Official avec 2 A. D'accord. Voilà. Ok. Pareil, Instagram, Facebook, c'est Casey Roland. D'accord. Casey Roland. Donc voilà, il y a la page officielle, il y a les deux comptes perso. Donc voilà, et sinon vous pouvez appeler directement mon booker qui s'appelle Xavier et vous contacter directement le 06 68 63 60 90. Et sur les différents réseaux sociaux, c'est vous qui répondez? Non. Moi j'ai mon équipe qui se charge de ça. D'accord. Il y a une équipe qui se charge de ça? Moi ça peut être moi et ça peut être mon producteur aussi. Ça peut être ton producteur. Ouais. Mais c'est important que pour toi de que les gens que tu répondes aux gens. Ah bah oui. Ouais. Moi ça me fait plaisir de pouvoir leur répondre aussi. Et les gens viennent te parler par rapport au titre et tout ça. Oui. Ouais. Ça y est. Même sur Snap parce qu'il est ouvert encore. Okay. Donc les gens viennent me parler et tout. Enfin, c'est spécial. Ouais. Ça fait plaisir. Ok. Bah, voilà, comme ça c'est parfait au moins. Comme ça tu peux partager avec tes les gens qui te suivent. Et est-ce qu'ils te posent des questions? Qu'est-ce qui arrive ensuite, tout ça? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Non, on va te la poser la question. Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite? Mais tu m'as déjà posé la question. Ouais, mais je sais, mais t'as répondu à un seul joker. Est-ce qu'il y a des choses en préparation? T'as fait un premier single, ça fonctionne bien, tu vas pas t'arrêter là. Bah, on voit bien aussi que dans le clip, il y a écrit à suivre à la fin. Donc, je réponds à ta question. Il y a peut-être une suite. C'est bon ça. Voilà. Et donc toi qui es ici? Bah, les projets futurs, on a déjà commencé à travailler sur le troisième morceau. On est dessus, voilà. Après, je peux pas en dire plus parce qu'il faut justement, moi je suis comme Fleur, il faut ce petit côté surprise, okay. Pour qu'on puisse surprendre les gens. Donc voilà, là on vient de lancer Lianné, donc on est en pleine promo. Donc j'espère plein de belles choses pour Lianné. Et puis la suite arrive très très vite et je ne lâche rien, on ne lâche rien. Ok. Et est-ce que vous avez un message à passer aux téléspectateurs qui vous regardent, vous leur direz?
On va commencer par toi, Flair. Bah, moi, je remercie tous les gens qui regardent mon clip, qui m'envoient des petits commentaires en privé. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, j'aurais jamais pensé en arriver là. Ouais. C'est énorme pour moi. Donc, merci de me soutenir. C'est très gentil. Ok. Bah, moi aussi, hein, pareil. Hein, je fais de gros bisous, justement, au blog du Zouk, hein, déjà de m'avoir invitée ici. Je suis très 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 heureuse d'être là, hein. C'est ma première et puis je suis très satisfaite, je repars très contente. Donc voilà, merci au blog du Zouk, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, merci à mon équipe, merci à Xavier, merci à Karine aussi, parce que c'est grâce à elle que je suis Karine là aujourd'hui. Mac, à qui je fais un gros bisou. Donc voilà, aussi, un gros bisou à Karine. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui me soutiennent et que j'ai envie de vous dire, ne lâchez rien, soyez en lionnage, parce que c'est le lionnage qui paye. C'est lié nous qui arrivons plus haut. Donc voilà, c'est mon petit message et je vous souhaite plein d'amour et beaucoup de bonnes choses pour vous aussi. C'est gentil. Et à toi aussi, Fleur. C'est très gentil. Enchantée de t'avoir rencontré. Ouais, moi aussi, vraiment. Belle rencontre. Vous connaissez, ça c'est le Smilebox Club. Alors, qu'est-ce que vous pensez du blog du Zouk? Bah, moi, je trouve ça super gentil de votre part déjà de faire connaître des artistes inconnus, du coup, comme ouais. Moi. Vous me laissez la chance de m'exprimer, donc c'est vraiment cool. Merci. Et voilà, que dire de plus ? Merci, merci, merci. De rien, ça c'est Julien. C'est lui de... Ben, je suis d'accord avec toi. Et hein, même du coup, vous avez été, je crois, les premiers à partager mon son sur votre page. Après, il y a eu d'autres pages et tout, mais vous avez été les premiers. Donc, Fleur, il faut savoir que le blog du Zouk est toujours. J'ai peur, j'ai cru que j'avais fait une gaffe là. Non, c'est pas une gaffe, mais c'est vrai que. C'est le petit côté. Pardon. C'est non, mais c'est vrai qu'on est toujours les premiers, c'est vrai. Hein. Non, mais voilà. C'est vrai. Non, parce que c'est Julien qui fait ça. Et à travers vous, je fais un gros big up à Julien parce qu'il fait un énorme travail sur le blog du Zouk. C'est merci énorme. Merci, Julien. Donc, continue comme ça parce que les artistes sont très contents de ton travail. Hein ouais. Donc continue comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il fait un très très gros travail et donc c'est important. Et comme voilà, vous avez bien résumé la chose. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez du Smilebox Club? Écoute, pareil, je vais radoter. Pareil, tu me laisses la chance de m'exprimer. C'est magnifique. Okay. C'est génial. C'est la même chose. Hein, c'est pareil, hein. Waouh. Ok. Mais merci. C'est content, en tout cas, et puis moi, après. Celui de quelle origine? Moi, je suis de la Guadeloupe. D'accord, ben voilà, ça fait toujours plaisir qu'un Antillais fasse des choses pareilles, qu'il mette en valeur les talents de chacun. Et puis voilà, hein, c'est toujours du positif. Et puis moi, je suis en admiration devant ça. Parce qu'on a le droit à se faire entendre, on a le droit à la parole. Et puis c'est des gens comme vous hein, qui rendent tout ça possible. Donc merci. D'accord, ben merci à vous. Ben, en tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Steve pour la réalisation. Augustin pour le studio, sans oublier Tijojo pour l'affiche de l'émission, c'est très important. Julien du blog du Zouk, Travis Angel pour le son, bien sûr, c'est important. Et mon sponsor, Sono DJ Animation, si vous cherchez un disque jockey pour une particulière entreprise, vous voulez un disque jockey de talent qui prend soin de votre événement, Sono DJ Animation sur Google et vous serez ravis. En tout cas, mesdemoiselles, merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'être venu et puis ce fut un plaisir, j'ai passé un très très bon moment avec vous. Nous aussi. Et ouais. Puis continuez à défendre vos titres partout. Partout parce que vous le méritez. Et bien évidemment, on se revoit bientôt pour les prochains titres. C'est ça. Ok. Allez, on vous laisse. Ciao. Bisous, bisous. Ciao. Bye.